Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera assez courte. Alors en fait, je voulais vous faire découvrir une boutique de scrap que je ne connaissais pas. J'ai été vraiment très très contente de ce que j'ai reçu et du coup je voulais vous en parler et vous la faire découvrir. Bon, si ça se trouve vous la connaissez déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut voilà, donner des idées et puis vous permettre de voir autre chose. Je tiens juste à préciser que ce n'est pas un partenariat. Pas que... Voilà, je tiens juste à le préciser. Alors, cette boutique s'appelle la Compagnie des Elfes. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est une boutique de scrap, notamment, donc qui vendent des tampons sur mesure, enfin, sont connus pour des tampons sur mesure, notamment. Mais il n'y a pas que ça, il y a des tampons encreurs, des accessoires, des tampons bois, il y a du matériel de scrap aussi, des encres, de la colle, embellissement, des fleurs, des rubans, des dyes, etc. Je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aller faire un tour et puis voir, comparer et puis découvrir en fait ce qu'ils font. Donc moi, c'était surtout par rapport au fait que ce soit une boutique qui fasse des tampons sur mesure. Donc ça peut être vraiment idéal si vous avez envie de personnaliser un tampon pour un baptême, un mariage, un anniversaire, des invitations, enfin bref, ce que vous voulez. Donc le tampon qui me concerne et que je vais vous présenter maintenant, donc c'est un tampon personnalisé. Donc entre la commande et la livraison, il y a eu 8-10 jours à tout casser, hein, sachant que c'est un tampon sur mesure. Donc ça a été ultra rapide. Je l'ai reçu, donc c'était une lettre en suivi. Voilà, une lettre en suivi, donc c'est une enveloppe à bulles avec des petits... voilà, des petits trucs de polystyrène dedans, voilà, pour que le tampon soit bien protégé. Le tampon lui-même était dans un petit sachet comme ceci. Donc on a un petit tamponnage merci avec Brie. Voilà, le tampon est dedans avec la carte de visite. Très très jolie. Je pense que je vais la garder pour la mettre dans un junk ou je ne sais pas, mais en tout cas très très jolie. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Il y a également une page Facebook. Voilà, je vous montre l'autre côté. Donc, fabrication française, bien entendu. Donc, c'est franchement top. Et la qualité est impressionnante. C'est vraiment pour ça que j'ai voulu vous en parler, parce que j'ai été agréablement surprise. Et donc, ce petit sachet-là était encore dans une protection cartonnée. Donc, franchement, voilà, il n'y avait aucun risque que le tampon soit maltraité ou cassé après son voyage pour arriver jusque chez moi. Oh, c'est laborieux. On va y arriver. Alors, le tampon me concernant, alors je l'ai choisi donc monté sur bois, donc comme ceci. Donc le voilà, il est juste trop trop beau, franchement je suis fan. Donc vous avez un large choix, franchement il y a plein de modèles, c'est hallucinant, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc moi j'ai choisi donc un petit chat, vraiment trop mignon, avec un joli nœud autour du cou. Il a un petit papillon là, posé juste sur sa tête, donc fait main par Miss Miu Miu. Vous notez la finesse de l'écriture, franchement c'est hallucinant de voir ça. Et on a des petites empreintes de patounes là. Et tout autour, donc on a des petits points tout autour du tampon. Mais franchement, il est trop beau, je suis fan. Donc là, je vais faire un petit test avec vous. Je vais le tamponner avec de l'encre, donc ça j'ai déjà fait. Et je vais également l'embosser, parce que des fois l'embossage... voilà, hein. Il y a des fois où on prend la Versamark, on veut faire de l'embossage et ça fait des gros pâtés. Je n'ai pas encore essayé l'embossage, mais en tout cas pour ancrer, ça fait... voilà, le résultat est vraiment superbe. Donc là, je vous montre ce que ça fait quand c'est ancré avec de l'encre noire, donc la Memento. Mais ça peut être vraiment une super idée pour voilà, personnaliser des tampons si vous avez un événement spécial. Ou alors, comme moi, là, pour mettre au dos de mes créations, de mes cartes, etc. Ça fait une petite touche personnelle, j'adore. Donc regardez-moi ça, franchement j'adore, c'est trop beau, le tampon est parfait, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas à chipoter, franchement il est, j'adore, il est trop classe, il est trop chou, je suis fan, encore merci à la Compagnie des Elfes parce que c'est un superbe tampon, vous avez fait un magnifique travail là-dessus, j'adore. Voilà, donc ça, c'est donc ancré en noir et on va juste l'embosser. Donc, je ferai un petit montage pour vous éviter le bruit de... Hein, pour vous éviter le bruit du heat gun. Donc là, je le nettoie. Je l'essuie. Hop.
Donc là, je vais juste l'embosser. Donc là, par contre, c'est vraiment la première fois que je vais faire de l'embossage parce que je n'ai pas testé encore. Donc, ben, avec la Versamark. Et puis, là, j'ai pris bon, la première qui venait, l'Allophone, la Rose Gold. Et on va voir ce que ça donne. Franchement, c'était une belle surprise. C'est pour ça que je voulais vous en parler, vous faire une petite vidéo pour vous faire découvrir cette petite boutique. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et puis, on passe à côté de très, très jolis produits. Et c'est dommage. Voilà, donc là, je viens de mettre la Versamark. Je vais mettre ma poudre. Donc là, c'est le premier test hein, où j'embosse. C'est en direct avec vous. Si je me loupe, ça craint. Non, moi déjà là, voilà. Je ne pense pas que je vais me louper. Il y a peut-être juste un petit peu trop de... J'ai peut-être trop appuyé sur le tampon au niveau des... du contour avec la Versamark. Voilà, je vais juste prendre mon heat gun et puis chauffer pour voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne avant l'embossage. Donc vous voyez là, à mon avis, j'ai peut-être appuyé un petit peu trop fort au niveau de l'encre. Mais rien de méchant. Hein. Attention les oreilles. Ah, oh, ça fait joli. Non, franchement, mis à part cette petite erreur là où j'ai mis trop d'encre. Encore à la limite, ça fait joli. On a l'impression que ça fait un engrenage. Voilà ce que ça donne au niveau du tampon embossé. Ça fait super joli. On voit toujours ce qui est écrit dessus. C'est ça qui me faisait un peu plus peur. Donc on voit que c'est écrit fait main par Miss Mium Mium. Franchement, c'est top. Très très contente de... Voilà, très très contente de mon tampon. Voilà, voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc comme je vous ai dit, elle était assez courte, mais c'était vraiment pour vous faire découvrir la boutique, la Compagnie des Elfes, parce que je trouve que ça peut être une belle idée cadeau également. Et le fait que ce soit des tampons personnalisables, j'adore. Voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et en attendant la prochaine, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !